médiathèque. Ça fait beaucoup de médiathèques, on est d'accord. Alors moi c'est Valentine, j'ai 32 ans et je suis graphiste freelance. Alors je recycle de vieux objets, notamment des planches de skate, et je viens illustrer dessus avec des mandalas. Je fabrique également de la décoration et des accessoires bohème. Je travaille avec la technique du macramé, qui est un art du nœud ancestral. Et ça rejoint mon travail d'illustration autour du mandala, puisque les formes de macramé rappellent le mandala. C'est particulier notamment pour la bibliothèque de Saint-Médard-en-Jalles, parce que je l'ai côtoyée étant petite pendant 6 ou 7 ans. Donc j'ai un affect spécial avec celle-ci de bibliothèque. Mais également, j'ai été une grande, enfin, je suis encore une grande lectrice. Pour la nuit des bibliothèques, j'expose une partie des planches de skate de ma collection. Et également, je vais réaliser un mandala sur les fenêtres qui donnent sur le devant de la médiathèque. C'est un mandala qui va être coloré en rapport avec le thème de l'année qui est le street art. Je serai présente lors de la nuit des bibliothèques et vous pourrez me voir terminer le mandala que je réalise pour l'occasion et échanger avec moi. C'est pas forcément pour 2022 mon conseil, c'est juste un conseil global, on va dire. Essayez. Ne pas avoir peur de tester des choses qu'on ne sait pas faire, où on ne sait pas où est-ce qu'on va, et de ne pas avoir peur de l'échec et de rater, parce que c'est là-dedans qu'on apprend et qu'on évolue, et le chemin est long et beau. Une bibliothèque, pour moi, c'est l'accès à la culture, sous quasiment toutes ses formes. Juste le livre, c'est la source première d'apprentissage, de culture. Pour moi, c'est ça. C'est un endroit d'apprentissage et de culture. On espère vous voir très nombreux et curieux. N'hésitez pas à poser des questions et à échanger avec nous.